Demandons au grand Daichi, accepte de devenir notre roi. Amenez-moi les trois maîtres. Non! Mais pourquoi veulent-ils enlever les maîtres? Jarod, résiste au mal qui s'est emparé de toi. On dirait des Power Rangers. Réveillez-vous. Qu'on va faire. Ce sont des Power Rangers, mais ils nous combattent avec la technique de nos maîtres. Celle de la chauve-souris. Celle de l'éléphant. Et celle du requin. Ce sont des esprits de rangers. Niveau maître de la jungle. Ah!
Qu'est-ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr. Mais j'ai une petite idée. Et alors, ces faux rangers avaient l'esprit comme télécommandé par les maîtres? Oui, comme des ondes radio qu'ils reçoivent, si tu veux. Ça explique pourquoi ils connaissaient les coups de nos maîtres. Je comprends pas. Je veux juste savoir comment on va les éliminer. Les éliminer? J'en ai aucune idée. Si on pouvait déjà les ralentir, ce serait un miracle. Quoi? Alors, explique-moi comment cet appareil devrait réussir à ralentir les esprits rangers. Il pourra détecter un signal, et si mon raisonnement se montre correct... Voilà. Il réussira à brouiller les ondes radio. Génial! Oh non, pas si génial que ça. Tant qu'on n'aura pas délivré les maîtres, les esprits rangers reviendront pour nous combattre comme une mauvaise fièvre. Désolé, Loen, mais j'ai pas une minute. Appelle, mais ne viens surtout pas. À plus. Qui est Loen? Mon frère. Il voudrait venir. Je ne savais pas que t'avais un frère. Aîné ou cadet? Il est mignon? Oh, moins que moi. On est très différents. Oh, je l'aime déjà. Emmenez-les. Ça va, ne me touche pas. Tu peux me dire où tu conduis ces hommes? Je n'ai pas à te répondre. Alors réponds-moi. Nous devons encore attaquer sans perdre de temps. Le combat a affaibli leurs esprits, Daichi. Il faut les laisser récupérer. Ça fonctionne sur les ondes de télévision, de radio, les ondes lumineuses, mais est-ce que ça fonctionne avec les esprits de Ranger? Oh mais ça, il n'y a qu'une façon de le savoir. Tu aurais dû nous dire que c'était ton frère jumeau. C'était génial. Théo! Oh, tu sais, tes copains sont chouettes. Ils croyaient que j'étais toi. Après avoir reçu de petits conseils sur la façon de toujours rester dans le coup. Comment tu vas, Loen? Théo, ton frère est surprenant. Il est passionnant quand il raconte ses histoires, comme la fois où il a sauté d'un petit avion et que son parachute ne s'est pas ouvert. Ouais, il a tout un tas d'histoires. C'est intéressant. J'ai beaucoup pensé à toi, alors raconte-moi tout. Ouais, si tu veux. Mais on verra tout à l'heure. Là, j'ai trop de travail. Oh, si tu veux, je te donne un coup de main. Général Scorch, qu'on aille chercher les esprits de Ranger. Il est encore trop tôt. Ça pourrait leur être fatal. Comme tu voudras. Cette fois, Dinamir les aidera. À tes ordres! On peut même s'entraîner deux fois par jour. Ça dépend. Et ça, c'est une création du patron. C'est un magicien. Ça me rappelle quand j'étais en Inde. Oh, à part qu'ils aiment l'ail là-bas. Non, pas d'ail. Ça ira, merci. Alors c'est tout ce que t'as fait depuis notre dernière rencontre? Du kung-fu et de bonnes pizzas? Oui, c'est ça. Pourquoi? Pour rien. Mais c'est bizarre. T'aurais préféré que je perde mon temps à parcourir le monde et à avoir plein d'aventures? Et à raconter ensuite des histoires fantastiques, toutes fortement exagérées? Ouh, alors tu crois que j'ai perdu mon temps? C'est toi qui as fait du kung-fu pendant des années. Et t'as aussi exagéré en prétendant que c'était génial. Rien n'a changé. Tu sais quoi? Tu mènes ta vie et je mène la mienne. Oh. Je peux t'emprunter un t-shirt? Oui, bien sûr. J'ai tout entendu. C'est toujours aussi tendu? Non. Et puis c'est ma faute. Depuis qu'on est tout jeune, tout ce que j'ai entendu, c'est « Loen est formidable » ou « Loen est tellement drôle »,« Loen est follement doué ». Je suis pas furieux après lui. Seulement jaloux. J'essaye de pas l'être, mais je réussis pas. On va sortir faire un tour, tu veux? J'ai besoin de faire des courses. D'accord. Laisse-moi aller me changer.
Hey, admire la classe. Prêt? À quoi? Mais à m'aider. Dépêche-toi. Oh. Où est Lily? Elle et Loan viennent de sortir faire des courses. D'accord, alors écoute, je voudrais vite... deux salades géantes, une pizza couverte de pepperoni et un plat du jour avec deux assiettes à suivre. Rapide pour toi. C'est bien ça, oui. Merci. Bizarre. Dominique n'a pas encore livré la pizza. Il a dit la manger en route. Quelle était l'adresse? Un problème? Non, c'est une précaution. Continue. J'ai réfléchi à ce que tu as dit dans la cuisine. La cuisine? Oui, que tu étais un peu jaloux de ton frère, de ses aventures, de ses belles histoires qu'il enjolive pour se faire admirer. C'est super. Mais tu as aussi tes réussites. La différence, c'est que toi, tu ne peux rien dire. Lily, je suis Loan, pas Théo. Mais ce polo est à lui. Quelle idiote! C'est vraiment très gênant. Non, rassure-toi. C'est bien que t'aies dit tout ça. Théo est jaloux de moi? Je croyais qu'il pensait que je gâchais ma vie. Depuis qu'on est tout jeune, il a toujours fait des efforts terribles pour s'améliorer. En étudiant, en s'entraînant. Mais j'avais pas cette volonté. J'aurais tout fait pour lui ressembler. Tu lui ressembles plus que tu ne le crois. Qu'est-ce que c'est, ça? Deux à la fois! Restez tranquille! Ça fait trois! Regarde! Esprit de la jungle! Lambap! Oui? Théo! Kazé? Au secours! C'est toi? Théo! Kazé! Théo! Très fort. Oui. Hein? Mais où on est? Oh non. Je veux sortir. Mes cinq miroirs sont maintenant pleins. Pas mal du tout. Je veux sortir d'ici. Peut-être que tu devrais vite recompter.
Mais comment? C'est impossible! Je t'ai déjà enfermé dans l'un de mes miroirs! Loen, tu vas payer cher pour ça! En avant, vous autres! Comment? Mais c'est impossible! Ah, tu deviens énervant! Fureur bestiale, esprit de la jungle! Avec la discrétion du jaguar, Ranger Bleu! Relève-toi! Niveau maître de la jungle! Un miroir, ça porte la poisse pour toi. Prêt? Prête! Fureur bestiale, esprit de la jungle! On peut en faire autant! Mégazord, maître de la jungle! Zord du rhinocéros d'acier, prêt à combattre! Je suis devenu plus grand, et mes boomerangs aussi! Il nous a eu. Ça se passe assez mal. Toi, tu bouges pas. Il veut qu'on fasse mieux que ça? Ça risque de lui faire bizarre. Oui, on va lui montrer. Bien joué, Théo. À mon tour. Rhinocéros d'acier. Super lave. Loen, le taxi est là. Ouais, j'y vais. Comment on sait que les doigts sont à la bonne place? En s'entraînant pendant de longues années, c'est tout. Comment vous faites quand vous volez dans les airs tout en frappant autour de vous contre vos adversaires? Comment? On s'entraîne. Pendant des années. Je m'en veux d'avoir qualifié ton kung-fu de perte de temps. J'avais complètement tort. Oui, mais
J'ai eu tort de critiquer tes aventures. En réalité, j'ai toujours été vraiment fier de toi. J'espère que les généraux sont plus forts que les guerriers. Et vous me demandez après d'être votre roi ? Et nous trouverons la solution.